C'est ainsi qu'il disait à ses soldats, « Je ne vous plains pas parce que vous avez choisi le métier militaire. Il demande que vous renonciez à la liberté, à l'argent, peut-être un jour à la vie. Il comporte des mauvais jours, des heures amères parfois, des années de chagrin des fois, mais en échange, il vous donnera cette constante et émouvante aventure où sont mêlés le commandement, la responsabilité, l'action, le risque. Il vous donnera l'honneur de la maturité, les larmes du dernier jour de la carrière, la joie de servir, l'orgueil des armes, l'espoir des grandes actions et le rêve qui reste le plus beau, le rêve de gloire auprès d'un drapeau ou d'un étendard. Non, je ne vous plains pas. Maintenez le cap de l'effort. Allez jusqu'au bout de vos aspirations et rêves. Être militaire, c'est croire en ses aptitudes et avoir de l'assurance dans chaque pas que l'on entamera, car ayant reçu de vos encadreurs les valeurs traditionnelles de courage. Être militaire, c'est aussi alimenter un rêve. Rêve d'un Sénégal meilleur, d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal qui construit et bâtit sur un credo d'excellence dans le travail et d'intégrité dans les actions. Armé de tous ces conseils et connaissances, progressez avec assurance dans cette nouvelle carrière et que nos prières vous accompagnent dans ce long chemin qui vous attend. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Bravo, va rejoindre sa place.